chez Bond Shaker, c'est comme ça qu'on fait. La pâte est en train de pétrir. Ok, donc maintenant la pâte est prête. Je vais décuver. Je vais séparer la pâte en trois parties, la travailler un petit peu. J'attends 5 minutes le temps que la pâte se pose. Là, la pâte est en train de s'étaler petit à petit. Je détaille et hop, c'est parti pour mettre sur les grilles. On attend à peu près 5-10 minutes dans l'étuve et après, on passe à la friture. On retourne les donuts. On veut qu'ils obtiennent une bonne couleur dorée. On veut aussi une belle ligne au milieu. C'est le signe d'un très belle donut. Bon donut ? Très bon donut. Bonne, ouais, voilà, c'est masculin. Et après ça, on les met sur grille pour pouvoir les glacer. Le plus important, c'est de glacer les donuts quand ils sont chauds. On va faire les deux glaçages les plus classiques qu'on fait. Le glaçage sucre et aussi le sucre cannelle qui est le plus classique aux États-Unis. Dès que ça s'est fait, les donuts sont prêts à manger. Thank you.